du coup, messieurs, dames, aujourd'hui à la montagne sous la neige, pour ce Burpees Arena 3. J'ai un petit chant au Savoyard, ou je ne sais pas comment ça s'appelle. Tyrolien. Mais j'ai pas vu que t'avais pris le micro, du coup. Si c'est là, mais on aime. Ce qu'il faut. Du coup, ici, on va avoir pour notre prochain match le mec qui vous a parlé tout à l'heure et qui était là à côté de vous, qui malheureusement n'est plus là cette fois-ci, mais qui reviendra sans doute s'il fait pas top 8 tout à l'heure sur cette chaise à côté de moi. Et c'est le bon et le merveilleux Blue Bo, messieurs, dames, qui va nous jouer contre Jérém, joueur de Grenoble de Link. Blue Bo qui nous joue du coup son Megaman, sa chic et son Ike. Joueur de ce triple perso, il change un peu en fonction de ses matchups. Il m'a d'ailleurs confié le fait qu'il avait réfléchi à venir à ce tournoi en disant bon, quel personnage je vais jouer dans quel matchup machin non. Et il a pondéré un petit peu le tout et du coup on n'a pas fait tous les matchups à l'intérieur de ce personnage, hein. Et du coup pour Link, semblerait que son choix se porte sur Blue Bo vient de me dire du coup également que c'est la deuxième fois que ce joueur se rencontre. Donc ce n'est pas une découverte à 100%, ils se connaissent. Je suis dans la limite de la connaissance, c'est vrai que le deuxième set. En cas Blue Bo qui est très agressif, il ne faut pas laisser respirer le Link. Il est vraiment en mode s'il est un peu loin, il cherche une middle, il attend un peu, il y a trop de projo. Là t'es en lancement de ta bombe, là je peux me rendre là. La tristesse de la part de Blue Bo. Du coup il est vraiment en mode il y a des projos dans la main de Link, ok il prend ses distances, il n'y a pas de projo dans la main de Link, ok je me rapproche. Et s'il est loin et qu'il n'y a pas de projo et qu'il est en train de faire un projo, là il jette sur lui. Parce que Link est du temps à lâcher ses projos. Petit arbitre de roulade et ça se tentait. Quand même un bon double d'air dans sa tête derrière. Toujours pour jouer de la part de Jérém. Il respecte Chic, hein, il respecte Chic. Là malheureusement voilà, il était trop proche. Blue avait réussi à se rapprocher petit à petit. Et cette bombe, il n'avait pas le droit de la sortir. Non, tu n'auras pas cette tête, je il a failli chauffer sa avec cette EP, ça aurait pu être très sublime. Et messieurs dames, très sublime. C'est le sublime du sublime. C'est le sublime même. Bien vu ça au-dessus du monde quand il est un peu proche. C'est pas un truc qui va marcher tout le temps parce que s'il le fait tout le temps, bah Link a qu'à angler son moment de galop. Une fois de temps en temps, c'est sexy. Bien vu. Oh non, malheureusement le ZD est un peu loin. Alors non, on est sur une musique japonaise, un opening que je ne connais pas. Je vais vous sortir toute la playlist. Autant ça me parle, mais j'ai aucune idée ce que c'est. Un manga random. Oh, quel dommage, il a encore faim, Blue Bo, il a encore faim. Et du coup, il prend cette B, mais ma foi, c'était bien tendu parce qu'il le touchait. Je sais pas si ça aurait pu être le kill. Au vu des pourcentages, il est quand même assez bas. Et bon, il y avait plutôt plus rien, pas de bon moment, c'est carrément la possibilité. Ça aurait carrément pu être le kill. Ah, il se rapproche doucement, hein. Ce que je disais tout à l'heure, là, Jérém, il laisse ses bombes. Donc il peut pas se coller, il lâche la bombe, il se rapproche, il voit le leader, il attend un peu. Mais il a pas pour le kill, Jérém qui vient un peu au corps à corps. Qui est patient dans 130% dans le bouclier, Bakker direct derrière. Blue Bo qui a vraiment attrapé son part petit à petit, hein. Malheureusement la seule fois où Blue Bo va prendre un risque, Jérém qui touche le sol instantanément face au l'air dodge up tilt et c'est de stock. Bien vu se faire et voilà sa force l'air dodge au bon petit fish faire derrière, ça suffira et one stock match entre Blue Bo et Jérém. Oh,
bien vu, Pizzo. Dommage. Bien vu ce que ça a été. Bon, tu prends une sens, je suis un peu étonné. On a un peu de pression, puisque c'est dans une roulade de la part du type, pas juste soigner en shield. Et comme il a pris cette distance, c'est mieux pour lui, personne n'attend un peu, comme ça, ouais, il avait plus de stab pour se faire du poids. Et pour enfin, avec le bon, il a la même chose, il est la place juste derrière. Hein. Il s'est tard, une flèche, il n'avait pas trop de danse sur les bombes. Du coup, c'est déjà sur lui à ce moment-là. Oh là 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 là, c'est trop haut. Oh, c'est pas dit. Ça danse, ça danse. Ah, ça danse, cher. Il fait son petit mur, hein. Il est tout derrière et ça y est maintenant, ça y est il a repris son lead. Mais attention, rappelez-vous ce que vous avez dit derrière par rapport à Sheik. Hein. Les pourcentages dans le match-up de Sheik face au versus the world, ça ne veut rien dire. Au bout d'un moment, il va avoir un petit mal à tuer l'adversaire. Il aura de la rage. Et avec le poids de Sheik qui est tellement léger, ça peut se retrouver contre elle à n'importe quel moment. La rage, c'est vraiment une mécanique anti-Sheik. Hein. Oh là 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 là, ça nuit les deuxièmes sauts, il est très bon pour l'air ça, Hugo. Et là, il a tellement attendu le deuxième saut. Joli AB bomb direct. Et le B. Et le B. Voilà. Hugo qui rattrape son suicide de cette première stock. J'héberge un winner, moi. C'est juste. C'est juste. T'héberges Dilsit aussi, toi, c'est ça? Ouais. Mais j'espère pour toi qu'il va gagner aussi. Sinon à la porte. Allez Ous. T'as perdu, pas de lit. T'as perdu, t'es dehors ce soir. Payasson. Tu m'étonnes que ça motive. Payasson, monsieur. Oh là là. Jérém qui va de ses écouteurs maintenant. On en parlait de Terry Blue, mais Jérém a joué assez intéressant. Hein. Qui vraiment très énormément sur la progression. Avec son ling, ça fait pas très longtemps qu'il joue. Moi je l'ai découvert là hier soir. On a pas mal parlé un peu team etc. Et il a vraiment envie de progresser, on voit. Il travaille pas mal, quand tu lui parles il écoute à 100%, il est vraiment concentré sur le jeu. C'est un vrai bonheur. Parler avec Jem, c'est plutôt chouette, il a vraiment envie de progresser et de venir. Donc un joueur regardé de la part de la zone grenobloise. Je pense que cet enfant fera de très belles choses dans le futur. Cet enfant de 38. Alors du coup on est parti sur Battlefield pour la deuxième game. C'est un peu classique pour Link. Il a plus de temps à mourir, des grands blasons un peu partout, Sheik a du mal à le tuer. Les plateformes, il va prendre pas mal de contrôle, rester au sol, mettre des ultimes, tout, les plateformes pour contrôler un peu les déplacements. Par contre, Sheik va pouvoir user un peu plus des plateformes en termes de mobilité pour pouvoir tourner autour, rendre la chasse un peu plus compliquée. Par contre, la surliving sera bien plus accentuée. Et le kill potentiel contre la... Oh ! Contre la Sheik peut-être compliqué. Et toute sa légèreté. C'est un qui met la pression, hein, mais Jérém qui reprend le centre, par contre, j'ai l'impression que Hugo il a tourné autour de l'adversaire. Jérém qui met une très bonne pression, hein, il colle son adversaire, il ne veut pas le lâcher encore une fois. Trade. La bombe, ça n'ira pas plus loin. Bon là on est sur la partie playlist opening d'anime japonais. C'est que pareil les chansons d'anime japonais. Mais pas. Alors je ne pense pas quand même que ça soit pareil, on va pas si, ça. Si. Nani. J'avoue quand je me pute aux animés c'est toujours un bonheur. Oh là 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 là, la gourmandise de Jérém. Il voulait contre-attaquer ce Link, malheureusement il s'est avant par l'explosion. Non mais c'est sympa pour les visiteurs, tu balades, t'entends tes openings, t'entends tes OST de jeu, ça te remet un peu plus dans l'ambiance, c'est ça, c'est sympa. Attention, l'assassin va arriver par contre.
La fameuse. Ça tire de loin, ça tire des needles, Oh, allez! Short up fair, non, je te tranche. Je fends de la cuisse gauche jusqu'au menton. C'était marrant, ça, la barre de Blue Boss. Servir du retour de mouvement pour tenter une agression originale. Ok. Je savais pas, je pense que Jérémy lui retourne dessus. Je pensais plutôt à ce qu'il aille vers le centre, se auto-cancel, vu qu'il avait perdu un temps sur son dash, sur son rebond. Blue Ball qui reprend rapidement le centre avec ses backers, tranquille. Oh, c'était sexy ce petit Tomahawk, un petit jump F-tilt. GM qui était prêt à vous faire la gueule pour se faire graber, malheureusement c'est trop tard quoi. Oh, ça a failli être stylé de la part de GM, ça malheureusement c'est tout dans le shield de double smash. Attention! Oh là là, de l'edge! De l'edge, il va chercher ce Don B. Très propre de la part de Bubo. Il a essayé la première stock qu'il a au premier match, premier stock. Cette fois-ci, il le met habilement. Cette petite air dodge. Très propre de la part de notre bon Bubo. D'ailleurs, il passe derrière juste de ses affaires. Un petit mot vite fait sur le match avant de vérifier tout ça. Un petit mot sur le match. Il était un peu pressé pour remonter de l'edge et je pense que c'est juste à cause de ça qu'il a perdu. Parce que dans le neutral, il perdait pas trop patience, même si je faisais de mon mieux pour le faire chier. Et c'est vraiment quand il était mis off stage que, même s'il a eu quelques bons mix-ups, il faisait des doubles sauts trop tôt et il a perdu pratiquement tous ses stocks comme ça au final. Blue qui va checker pour le commentary. Ouais, ça se démarrait pas trop. Ça se débrouillait pas trop mal. Hein. Je vous dis, Jérém, un joueur à regarder. Ce qu'on disait tout à l'heure, c'est un mec qui m'a donné la même impression que Kat quand je l'ai vu la première fois. Bien que j'aurais bien dit que Kat était peut-être un peu meilleur quand je l'ai rencontré. Je pense que Kat est un peu meilleur dans l'ensemble. Mais bon, c'est un peu l'idée. Et du coup, là, c'est la tristesse. C'est le suicide. Ça va être Dilsit face à Skell. Et Bluebo arrive pour commenter quelques games avec nous. T'en es où maintenant, Winner Quarter? Un peu plus, un peu moins? Alors, j'ai jamais su le nom de ces trucs-là. Je sais juste que j'ai gagné... Non, en fait, je sais même pas ça. Je crois que j'ai gagné 2 sets. Ouais, t'as peut-être 3. Et donc, j'arrive à temps. Enfin, ce que je sais, c'est que du coup, j'ai pris un peu d'avance. Et qu'en plus, ce sera contre Tellu.